On ne sait pas grand-chose sur la santé des dirigeants. On a même plus de statistiques sur la santé des baleines bleues que des dirigeants. Ils n'ont pas de service de santé au travail dédié. Il y a une souffrance patronale, c'est une réalité méconnue du grand public. Ils sont face à de l'incertitude du carnet de commandes en permanence. Et puis, être responsable, être chef, être dirigeant, c'est aussi souffrir de solitude. Et puis enfin, un dernier facteur très important, c'est le stress. Ils sont en stress en permanence et sous pression, à tel point que l'Observatoire à Maroc a identifié 30 stresseurs de la vie des dirigeants. Ça peut être le dépôt de bilan, ça peut être les problèmes de trésorerie qui reviennent aussi sans cesse, la surcharge de travail, mais aussi la démission d'un salarié. Eh bien, grâce au facteur salutogène. Salutogène, ça veut dire bon pour la santé. Les chefs d'entreprise, en général, se sentent maîtres de leur destin. Ce sont aussi des hommes et des femmes très optimistes. Ce sont des employeurs, des formateurs, des investisseurs. Ils ont aussi la passion d'entreprendre. Et ces facteurs-là sont des facteurs dont il a été montré qu'ils sont positifs pour la santé. Je me sens plutôt en bonne santé. Maintenant, le chiffre peut paraître un peu impressionnant comme ça. Il y a sans doute derrière une raison, c'est qu'en tant que dirigeant, on a un devoir d'enthousiasme en arrivant au bureau le matin et tout au long de la journée, parce qu'on doit entraîner avec soi l'ensemble de ses collaborateurs. Le dirigeant est par essence un individu dynamique et surengagé, qui ne lui coûte pas forcément son corps, avec des conséquences positives pour son entreprise, du moins dans un premier temps, et forcément négatives à terme pour sa santé. On voit donc qu'il y a un décalage qui est dû à un déni, plus ou moins volontaire, sur son état de santé afin de préserver ses ambitions professionnelles. Il est vrai qu'aujourd'hui, les dirigeants manquent singulièrement de temps pour eux-mêmes. Il faut donc leur proposer un bilan, les accueillant dans des centres dédiés avec un niveau de service qui correspond à leurs attentes. Alors, ce qui est essentiel à la performance durable, quel que soit le domaine, c'est la santé. Parce que la santé, c'est la base de tous les projets, donc la santé durable pour qu'on puisse s'inscrire dans des horizons lointains qui sont nécessaires. Et la santé durable pour un sportif, pour un dirigeant, elle est essentielle et elle passe par le sommeil, la nutrition. Alors pour un sportif, l'activité physique, ça va de soi, mais pour un dirigeant, c'est essentiel aussi d'être en forme physiquement parce qu'une absence prolongée liée à la maladie d'un dirigeant, on sait que souvent, ça peut mettre en péril l'entreprise. Donc s'oublier soi-même, c'est mettre en danger aussi son entreprise quand on est dirigeant. Les chefs d'entreprise sont en surcharge de travail. Le ministère du Travail a montré qu'il travaillait en moyenne 50 à 55 heures par semaine, lorsque, je dirais, le travailleur salarié est plutôt à 36-37. Sans doute, avec le temps, j'ai pris conscience de l'importance de prendre des moments justement de césure et de recul et de vacances. Je m'accordais peu de vacances au départ, comme beaucoup de chefs d'entreprise. Aujourd'hui, je prends 3 semaines l'été, et c'est un vrai moment important pour moi, pour ma famille, et je pense aussi pour l'entreprise. J'ai trouvé la démarche menée par Malakoff Médéric à Maroc très intéressante, parce qu'on a rarement l'occasion de faire le point sur sa santé sur une période aussi longue. Ça m'a permis de me poser des questions sur la relation entre ma santé et finalement la bonne santé de mon entreprise, et puis peut-être aussi celle de mes collaborateurs, à laquelle je suis peut-être encore un peu plus attentif aujourd'hui. La balance penche du bon côté. Pour le dire autrement, entreprendre, c'est bon pour la santé. Les facteurs salutogènes pèsent davantage que les facteurs pathogènes. Et la raison est très simple, c'est que les dirigeants, les chefs d'entreprise, ne sont pas en contrainte subie, ils sont en contrainte choisie.
Alors bien évidemment, ça n'empêche pas que parfois, il puisse y avoir des ruptures. Il y a des cas de burn-out chez les dirigeants. Et donc, on doit aussi, malgré cette bonne nouvelle, penser à mettre en place une politique de prévention pour les entrepreneurs.